Et on va revenir une fois de plus ce soir sur ces survols de centrales nucléaires françaises ces derniers jours par de mystérieux drones. On y revient parce que, je le rappelle, près de la moitié des centrales nucléaires françaises ont reçu la visite ces derniers jours de ces machines volantes sans que ni le ministère de l'Intérieur, ni EDF qui est propriétaire des centrales ne soient capables de nous dire qui intervient au-dessus des centrales, qui sont les pilotes de ces engins, ce qui est assez, vous en conviendrez, inquiétant. Et que plus largement d'ailleurs, l'irruption des drones dans notre ciel commence à poser un problème de sécurité majeur que les pouvoirs publics ne semblent pas totalement avoir anticipé. Pourquoi par exemple n'existe-t-il pas de système de destruction des drones au-dessus des centrales nucléaires françaises? Voilà une des questions qu'on peut se poser. Bonsoir Philippe Dubus. Bonsoir. Monsieur Dubus, vous êtes PDG de Malou, qui est une société qui est spécialisée dans la fabrication et la vente de drones. Et voilà quelques-unes de vos machines. Est-ce que cette machine-là, la noire, pourrait ressembler, on ne sait pas ce que sont les drones qui survolent les centrales, est-ce qu'elle pourrait leur ressembler? Donc bien entendu, notre PME n'a pas plus d'informations que les acteurs, que vous, sur, je dirais, le type d'engin qui ont perpété. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'effectivement, ce type de machine correspond à des caractéristiques techniques qui seraient susceptibles de pouvoir, je dirais, rentrer dans les performances nécessaires à ce qui a été décrit dans la presse. Ces machines doivent-elles être téléguidées par quelqu'un qui est sur un joystick quelque part, pas très loin de la centrale, ou peut-on les programmer pour qu'elles aillent faire leur visite en fonction de position GPS, prendre les images qu'elles ont à prendre et rentrer chez elles? Notre projet d'entreprise, c'est justement d'essayer de faire la synthèse de tous ces éléments. Parce qu'en réalité, laisse paraître un certain flou sur, je dirais, ces éléments techniques. Notre projet d'entreprise, au-delà d'être intégrateur et concepteur de machines, c'est de pouvoir essayer de déterminer les mesures du possible, la technicité. Mais c'est possible. Mais c'est parfaitement possible. Il existe plusieurs solutions pour télécommander ces machines. Et c'est, je pense, en déterminant les différentes caractéristiques possibles que l'on peut faire une synthèse et imaginer des scénarios. Oui, c'est possible. Soit des télécommandes manuelles à distance, soit des télécommandes programmées, ce qu'on appelle dans le jargon les waypoints, c'est-à-dire l'usage de points GPS qui permettent de programmer un parcours qui fait qu'il n'est plus nécessaire d'avoir une opération active du pilote pour la machine. L'autonomie d'une machine comme celle-là est de combien de temps? On sait que les drones restent un certain temps au-dessus des centrales, ils sont donc chargés en énergie. C'est exactement la bonne question que j'ai parcourue et vue dans la presse. L'élément autonomie est pour moi un élément de synthèse important pour faire cette analyse. On est un petit peu, nous aussi, à regarder un petit peu par rapport aux différentes caractéristiques ce qui est possible. Effectivement, les premières machines qui ont été fortement médiatisées comme celle-là... La petite, des... hein. Ouais, c'est des autonomies d'une vingtaine de minutes. Maintenant, pas plus. Pas plus. Maintenant... sur ce type de machines, qui sont dans des gammes jusqu'à 8 kg, on obtient des autonomies qui peuvent monter jusqu'à 40 minutes. Ce qui est important, et c'est l'objet du travail que l'on mène au sein de notre société, c'est déterminer avec les possibles technologies qui sont disponibles aujourd'hui, jusqu'à quelle autonomie on peut obtenir dans ce type de drones qui n'ont rien à voir avec les drones militaires. Ça, c'est très important de le rappeler. Ce ne sont pas des drones issus d'une technologie militaire. On a le même nom. Allez-y, reculez un peu parce que vous êtes hors lumière. Je vous en prie. Et en fait, avec ce type... Là, j'ai un exemple de largeur d'hélice. On voit bien qu'avec ce type d'hélice, on peut concevoir des machines qui dépassent l'heure d'autonomie. D'accord. En emportant suffisamment d'énergie pour dépasser cette heure d'autonomie. Cette machine-là n'est pas en vente en France. Vous ne la vendez pas en France, elle n'est pas autorisée. Non, c'est notre projet d'entreprise, c'est déterminer ce qui est possible. Aujourd'hui, cette machine est hors la législation qui existe, qui est très bien faite. Je considère que la législation qui a été mise en place par le gouvernement à travers la DGAC est une excellente chose. Elle a l'avantage d'exister, on est un des premiers pays à l'avoir. Par contre, effectivement, elle définit une certaine caractéristique de machine. C'est 2 kg maxi en France. Alors, il y a plusieurs gammes. C'est plutôt ça, quoi. 2 kg, après il y a la gamme des 8 kg. C'est parfaitement bien défini, les textes sont parfaitement bien. Cette machine n'est pas vendable en France, en revanche, vous la vendez à l'étranger. Oui, cette machine n'est pas vendable en France avec ses textes, mais par contre, elle est conceptualisable, elle est intégrable, elle peut être montée. Donc nous, on les fabrique pour des opérations et des besoins à l'étranger. Oui. Pour qui? Pour différents services, je dirais majoritairement des industriels qui ont besoin de surveiller des zones très étendues. Oui. Dans des zones où, je dirais, il n'y a pas de contraintes d'urbanisme et de population. Mmh. On peut largement dépasser les distances réglementées et limitées en France. Mais si on peut les faire, les fabriquer, les développer en France,
Les vendre à l'étranger. S'en servir à l'étranger. On peut les ramener en France si on veut. Bah clairement, des esprits malveillants peuvent parfaitement s'en servir. Et c'est là que l'ambiguïté, à mon avis, se crée. Ouais. C'est piloté par quelqu'un de très qualifié, ça. C'est toute l'ambiguïté, c'est qu'en fait, en réalité, il y a besoin d'une très bonne compétence. Moi, je m'hasarde à faire une analogie. Je considère qu'aujourd'hui, on pourrait qualifier certaines personnes comme des geeks des drones. En fait, geek de drone, ça sera un concept où je fais l'analogie avec l'informatique. Un passionné, une maîtrise de la technologie, permettant avec des outils abordables, accessibles, qu'on peut acheter sur Internet, de monter des machines qui atteignent des performances qui sont surprenantes. Et c'est l'objet de notre projet d'entreprise. C'est ce qu'on présente justement dans deux jours au Salon Expo Protection à Versailles. C'est intéressant parce que ça veut dire que n'importe qui d'un peu passionné par le sujet peut apprendre à la fabriquer, cette machine-là, et apprendre à la piloter, tout seul. C'est la démarche que l'on suit nous-mêmes. On suit cette même démarche. On regarde ce qui existe au niveau planétaire, au niveau télécom. Parce qu'en réalité, on pense que ces machines-là, c'est majoritairement de l'aéronautique. Nous n'avons pas cette opinion. Nous pensons que ce sont des machines qui sont majoritairement de la technologie télécom, informatique, de transmission, de réseau, de vidéo. Il n'y a que les moteurs électriques et les hélices qui les rendent engins aéronautiques. Donc on a une vision différente. Je m'hasarde à une analogie. Ça me fait penser à ce qui s'est passé fin des années 80, début des années 90, avec les hackers, qui avec des petits ordinateurs ont été capables de surprendre de gros systèmes et de les pénétrer de manière surprenante et qui ont généré une certaine panique. Et je m'hasarde à cette analogie parce que c'est ce raisonnement intellectuel qu'on essaye de mener et que dans deux jours, au Salon Expo Protection, on va présenter pendant trois jours comment, en comprenant ce qui est possible, on peut envisager d'imaginer, de réduire cette menace et trouver des solutions. Merci à vous. Merci infiniment. Et voici la météo de Sandra Larue.